Non, mais bonjour à tous, le gars. Bon, je dis nouveau kickboxing, une nouvelle acquisition sur la chaîne. Les bateaux, bien sûr. Un mono, hein. Un super yacht. Princesse Bouchasse de ça, mais oui. Hein, ce bateau fait 960 mm. Ce bateau est en fibre de verre. Voilà. 960, 320 de large, hauteur 250. Moteur 3660, 1620 kV et un ESC de 125 A. Voilà, équipé en électronique, pas trop poussé, mais moi je vais me compter mettre un seeking et augmenter le moteur. Voilà. Voilà pour avoir un joli petit bateau d'un mètre de long en fibre de verre. Hein. C'est pas du plastique, c'est pas du jouet, ça. Hein. Voilà, nous on prend plus des jouets ici sur la chaîne. Voilà. Donc là, comme je suis seul à filmer, donc j'ai déjà déballé tout à l'avance et voilà. Abracadabra. Boum. Voilà le super yacht. Princesse, 1 mètre de long. Fibre de verre. Regardez-moi tous ces détails. Finition. Pas de sécurité. En ferraille, bois menuisier, bois pour l'eau, hein. Voilà, fibre de verre, super finition, gel coat ou peinture, c'est du gel coat ça je crois, voilà, très très dur, super, voyez un peu les détails, petite marge escalier là. En bois marine. Voilà, ça c'est pas du coton plaqué ça. Il y en a qui mettent du coton plaqué, non, non. Ça c'est du bois marine. Exprès, ça gonfle pas avec l'eau. Voilà. Dessous. Vous avez la jambe de force en alu. Tout en alu. Voilà. Tuyau d'évacuation, voilà tout neuf, déballé sur son soc. Voilà, donc avec ça, je vous livre ça avec une télécommande FS FlashSky, hein, classique. Voilà, RTR. Là, vous avez. Et les boutons du trim, throttle et steering pour l'angle de braquage du gouvernail. Voilà. Excuse-moi, là je filme moi-même. Donc il faut que je regarde en même temps la caméra. Voilà. Ensuite, il vous offre une prise XT90 ainsi que des testeurs de batterie, sympa. Ça, c'est une petite, c'est pour imiter les radars, le signal radio, voilà qui se vient ici comme ça. Voilà, faudra que je l'installe après. Ensuite, vous avez le manuel d'instruction pour le SC. Ce SC prend 7S, hein. Voilà, il fait 125 A mais il prend 7S. Moi je pense le virer pour mettre le Seeking 180. Bon, à l'intérieur là vous avez le gouvernail, l'hélice en bronze, comme presque du Octura, hein, c'est comme de l'Octura. Voilà, avec les sangles, voilà pour fixer. Ça là je vais monter après. Là, ici vous avez le manuel qui est en allemand. Voilà, et vous le dites bien. Une clé de 10 pour serrer le couple moteur. Voilà, et de mettre 2,5 mm la jambe de force. Voilà, comme lui, il n'est pas comme ça. Lui, c'est carrément un stinger. Voilà, ils ont gradé le truc en stinger. C'est
Stringer, Strutter. Bon, moins que l'anglais, je mets ces deux. Bon, voilà. Là, on commence à enlever la batterie, mais moi je vais mettre des scratchs carrément. Voilà. Voilà, les amis. Petit unboxing rapide. Hein. C'est une magnifique yacht. Bon, on va voir l'intérieur. Voilà, système. Voilà, qui clique. Voilà. Bon, à l'intérieur, vous avez ce fameux ESC 125 ampères qui peut prendre du 2 jusqu'à 7S. Hein, équipé direct en XT90. Ici, si j'arrive à ouvrir. Bon, attendez. 10 minutes. Minute. Ah. Bon, c'est pas évident. Ouais. Ah, c'est deux petits clips. Et ici. Vous avez, je sais pas si on voit, vous avez le cerveau ainsi que le moteur SS, hein, équipé d'un moteur SS d'origine en 1650 kV, 3660, 1620 kV, voilà. Voilà, et direct l'arbre, le dry shaft est en 6, en 6-5, hein. Voilà. Coupe moteur équipé en 6-5 direct, donc voilà. Donc moi je pense mettre en 6S tranquille pour garder le moteur ainsi que le vario, mais pour l'instant on va garder le moteur et on va garder seulement le vario. Voilà, voilà les amis, super yacht en fil de verre. Voilà, on va reboucher tout ça. Là. Facile. Facile de remettre. C'est celui-là qui est un peu plus compliqué. Bah, par rapport. Pour mettre, c'est facile, mais pour enlever, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Voilà les amis, c'était le petit boxing du yacht d'un mètre de long, Princess, en fibre de verre, je précise. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour voir naviguer ce super beau bateau.